Bonjour tout le monde, alors une petite vidéo unboxing de l'édition limitée du premier tome de Kill Blue, le nouveau manga de Tadatochi Fujimaki, l'auteur de Kukuro's Basket. Donc c'est son nouveau manga que voici. Je ne l'ai pas lu évidemment puisque c'est le tome 1 qui est emballé et que je viens de l'acheter. L'histoire en gros c'est ce monsieur-là qui est un assassin se retrouve réincarné dans le corps d'un ado qui est ici et continue sa carrière comme ça, enfin visiblement hein, d'après ce que j'ai lu, j'en sais pas plus que ça. Donc ça a l'air bien sympa, je l'ai pris parce que c'est une édition collector limitée d'un tome 1, donc en général j'aime bien découvrir les séries et avoir ce type d'édition pour le premier tome. Allez hop, on l'ouvre, on va regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Donc nous avons une couverture alternative pour ce premier tome. Je vous montre la couverture originale qui est ici. Voilà. Donc couverture réversible. C'est appréciable. On a un shikishi qui est là. Donc avec les bords dorés. Et puis une reproduction d'une dédicace de l'auteur. Très sympa, hein. En plus, il est quand même vachement épais et tout. C'est pas mal du tout. Et on a une planche de stickers. Attendez, est-ce qu'il est épais ou est-ce que... Oui, il est épais. Parce que... Voilà, attendez. Voilà. C'était resté dedans. Donc vous avez un Ex Libris. Donc le papier, c'est, il est légèrement gaufré là, comme du papier aquarelle. Donc voilà ce qu'on a. Le manga, le manga à la boîte, l'Ex Libris, les autocollants et le shikishi. Et voilà à quoi ressemblent les autocollants. Bon bah écoutez, franchement pour une édition collector d'un premier tome, c'est vraiment chouette. C'est pas mal du tout. Donc si vous vous lancez dans la série ou que vous voulez juste la découvrir en prenant le premier tome, je vous conseille quand même cette édition. Voilà pour le prix. Voilà. Bon, j'espère que vous avez vu tout ce que vous vouliez voir. Si vous avez des questions, allez-y dans les commentaires. À plus.